Bonjour à tous, je vous présente Gollum. Ça y est, on l'a enfin, mon petit crotte. Oui, mon petit crotte. Si jamais il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà que Monsieur le Chat, c'était pas mal, mais alors avec lui, c'est encore mieux. Donc cette vidéo sera en deux parties. Je vais vous mettre dans la barre de description à quelle minute vous pouvez cliquer pour voir la Mewbox. Mais je vais commencer d'abord par cette petite bête que voici. Alors, voici Gollum. C'est un Devon Rex, donc en fait là pour l'instant on voit pas encore, mais il aura les poils qui vont être tout frisés en fait et tout petits. Ça ressemble un peu à un chat sans poils, mais bah avec des poils. Enfin, voilà. Du coup je vais vous expliquer un peu comment on a fait pour en arriver à là, parce que c'était loin d'être gagné, mais vraiment. Alors on l'a eu la semaine dernière, je voulais quand même attendre une semaine histoire qu'il se familiarise bien avec nous et Monsieur le Chat. Au tout début on est allé le chercher, les deux avaient peur l'un de l'autre, donc c'était assez mignon. On s'est dit ouais c'est trop chou tout ça, le gros a peur du petit parce qu'en même temps ça ressemble pas vraiment à un chat, le petit a peur du gros parce que le truc il fait 8 fois sa taille, donc voilà c'est compréhensible aussi. Mais après quelques heures en fait ils ont commencé à se grogner, à se souffler, mais oui, et mon cœur, à se grogner, à se faire pas vraiment la guerre, mais en fait ils avaient tellement peur l'un de l'autre que du coup ils faisaient que de se grogner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ensuite, j'ai acheté, je vais vous mettre aussi dans la barre de description, je crois que ça s'appelle Feelway, si je dis pas de conneries. En fait, il y a deux versions. La première version, c'est pour éviter le stress, justement. C'est le premier que j'ai acheté, qui a fonctionné super bien, parce que dès le soir même, en fait, le Gollum, bah, il était au taquet, il mangeait, il jouait, il est déjà dans la caisse et tout ça. Le souci, c'est qu'on a vu que Monsieur le Chat avait du mal à l'accepter, étant donné qu'il a toujours été tout seul pendant 8 mois. Et là, paf, il se retrouve avec un petit machin, évidemment, il y avait toute l'attention. Enfin voilà, on avait amené chez le médecin, il venait d'arriver chez nous, on est allé jusqu'à Lyon en fait, donc c'est à plus d'1h45 de chez nous. Du coup, ouais, c'était un peu compliqué. Mais voilà. Et du coup, le lendemain matin, je suis allée acheter de nouveau toujours la même marque, mais cette fois pour... en fait, c'est celui qui sécrète les hormones de la mère des chats, qui fait que du coup, ils vont pas du tout s'embrouiller. Ils vont être un peu comme des frères et sœurs. Et ça a marché trop bien en fait. En 3 heures même pas, depuis le moment où je l'ai mis, bah en fait ça a fonctionné direct. Ils ont commencé à jouer ensemble. Bah, Monsieur le Chat, quand il joue, il roucoule en fait. Et il ne meurt pas. Et puis le petit, bah là, il est, comme vous pouvez l'entendre, je pense depuis avant, il est extrêmement bavard. Voilà. Et puis du coup, bah, il a fait que de parler, il n'arrête pas du tout. Et puis du coup, voilà. Et depuis là, bah, ça va super bien, tout se passe bien. Donc je suis super contente en tout cas. Ah oui, puis du coup, ce qu'on avait fait aussi, la grosse, grosse, grosse erreur, c'était qu'on a commencé à engueuler notre chat, le premier, parce que bon, on s'est dit, mon Dieu, il va essayer de le bouffer. Mais en même temps, c'est assez surprenant quand tu vois ce gros machin là qui lui arrive dessus pour, pas forcément pour jouer, mais juste pour lui calmer et lui faire comprendre que c'est pas du tout chez lui. Du coup, ouais, c'est assez compliqué. Et en fait, on a vu qu'il fallait pas du tout l'engueuler parce que du coup, après, il allait se retourner contre nous. Ce qui s'est passé, c'est allé, mais il a aussi commencé à nous grogner dessus, à être pas content, pas à nous griffer, mais juste grogner dessus, alors qu'il l'avait jamais fait. Je l'avais jamais entendu grogner, nous souffler. Donc c'était vraiment flippant. Mais voilà, du coup, après, le jour d'après, je l'ai pris dans une pièce, je l'ai dit, regardez avec moi. Mais oui! T'as fini? Viens! Du coup, je l'ai prise dans une pièce, j'ai commencé à le caresser, je l'ai brossé un peu, il a commencé à me grogner, j'étais super contente. Et puis ensuite, bah, du coup, il a compris que c'était rien contre lui, qu'on l'aimait toujours et tout ça. Mon copain a fait pareil de son côté aussi, pris dans une pièce et a retissé des liens en fait. Donc c'est revenu aussi vite que c'est parti, donc ça c'est bien, on a vu ça assez vite. Ça s'est tout fait sur 2 jours en fait. On a fait n'importe quoi et ensuite on a fait tout bien. Enfin voilà. Alors rebonjour à tous. Cette fois, ça y est, on attaque avec la Mewbox. Donc on a comme d'habitude le mag. Alors cette fois, ils disent... ils nous donnent les indications sur les plantes toxiques qu'il y a. Sur les décos de Noël, à éviter ce qu'il faut faire. Éviter par exemple les sapins qu'on la fausse neige dessus, parce que ça peut être toxique pour s'ils y mangent, etc. etc. Tac. Ensuite, il y a la promotion d'un dessin animé qui s'appelle Oscar et le monde des chats. On a ensuite 8 aliments à ne pas partager avec son chat. En même temps, je vais vous dire, à part les trucs frais, donc les poissons frais, les viandes fraîches, ne donnez pas de la bouffe à vos animaux. Sérieusement. Ils ont des choses qui sont faites pour eux. Il y a des vrais repas qui sont un peu pour qu'on pourrait manger, nous, humains, mais qui sont quand même faits pour eux parce qu'il y a moins de sel, il y a moins de trucs dedans.
Et arrêtez de donner tout et n'importe quoi aux animaux, bordel. Alors, on commence avec le premier jouet qui est trop chou. En fait, c'est Grumpy Cat, je ne sais pas si vous connaissez, c'est genre le chat le plus connu de la Terre. Je vais vous mettre une petite photo ici pour vous montrer, ceux qui ne connaissent pas. Et là, c'est une petite canne à sucre. Elle est super chou. Apparemment, le jouet est fait pour durer. Moi, ça me va assez bien étant donné que le petit va commencer à se faire les dents, donc c'est pas mal. Alors, parfait, ils aiment les deux, donc on peut continuer. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Une grosse boule de Noël avec plein de jouets dedans. Oh là 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 là, ils vont adorer. Bon, bah les jouets aussi du coup, c'est trop cool. Oh putain, c'est une énorme brosse en fait. Une brosse pour les animaux, ils disent. Je vais laisser sur Monsieur le chat parce qu'en fait Gollum, c'est un chat qui peut pas être brossé. Sinon ça va lui enlever les poils en fait. C'est tellement con mais c'est comme ça. Excusez-moi. Et en fait d'ailleurs Gollum, s'il se lèche trop ou s'il se fait trop lécher par Monsieur le chat, et bah, en fait il va perdre ses poils à certaines zones. Donc il faut qu'on fasse assez attention avec ça. Bon bah la brosse a l'air de fonctionner aussi, donc parfait, ça tombe assez bien parce que le fait dessous, il a les poils qui sont frisés partout au ventre et pas ailleurs. Et du coup, c'est une brosse douce qui va nous être très utile, je pense. Parce que là, en fait, on a dû le tondre dessous, pas à zéro, mais on l'a laissé genre ça. Et parce que sinon, bah, ça allait pas, en fait, il a plein de nœuds tout le temps. Et puis du coup, nous, ça nous embête aussi de devoir tout le temps lui faire mal, puis ça se voit qu'il a mal. Malgré les démêlants et tout ce qu'on veut. Du coup, en tout cas, pour sa période de mue, donc ce qui est genre de octobre à mai, donc presque toute l'année, quoi. Du coup, pendant ce temps-là, bon, on va le tondre et puis comme ça ira mieux. En tout cas, pour cet été, ça sera vachement bien. Puis je pense que quand on le baigne aussi, ça sera pas mal pour essayer de démêler tout ça sans lui faire mal et sans lui tirer les poils. Prochain jouet, c'est un bonhomme de neige qui ressemble surtout à un pingouin, en fait. Bon, on va essayer ça. Bon bah écoutez, ce jouet-là, enfin cette peluche, je pense qu'ils vont surtout l'apprécier quand il y aura un taré là qui aura fini de jouer comme avec sa petite souris. Monsieur le chat, il est un peu perplexe. Il est encore un peu perplexe quand l'autre joue, il se demande qu'est-ce qu'il fout celui-là. Surtout qu'il est tellement vif en fait qu'il n'a pas trop l'habitude d'avoir un chat qui est toute énergie comme ça, qui en fout plein partout, qui crie partout, qui saute partout. Enfin bref. Un sachet de croquettes à la volaille, donc je les essayerai. Bon, c'est pour chat adulte, ils ont toujours pas compris que moi c'est un chaton que j'ai, mais bon, c'est pas grave. Et après, c'est des petites friandises au saumon. Alors, je vais leur faire goûter tout ça. Bon, bah, sans grande surprise, hein, tout ce qui est au saumon, de toute façon, ils adorent les deux. Donc, Monsieur le chat a un petit peu plus de mal à les manger, parce que je sais pas pourquoi, il a toujours eu du mal, il n'arrive pas à manger ce qu'on lui donne. À chaque fois, il en fout plein partout, je sais pas pourquoi. Du coup, le petit mange ses restes, c'est pas plus mal. Voilà, donc le petit est devenu complètement taré et ronronne de partout. Monsieur le chat aussi, donc c'est une grande réussite cette Humo Box. Enfin, ils nous envoient plus leur putain de journal de merde là, comme la dernière fois. Non, 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 et non, c'est des trucs pour les chats, tu nous envoies pas des journaux, on s'en fout, ok? Voilà, merci. Du coup, ça y est, c'est fini, la Humo Box est terminée. On se retrouve le mois prochain, plus tôt cette fois, parce que maintenant c'est bon, j'ai les deux chats, tout va bien, je reçois les Humo Box, enfin, je vais les chercher plus vite que les autres fois. Du coup, ça c'est bon, il n'y a plus trop de soucis là-dessus. Et là, j'attendais juste que ça aille bien avec Gollum pour pouvoir vous faire une vidéo de qualité, si je puis dire. En tout cas, un truc bien fait, sans qu'il n'y ait pas de problème. Là, d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. Tout va bien, la vie est belle. Alors, nous, on se retrouve le mois prochain pour la prochaine Humo Box. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner et appuyer surtout sur la petite cloche.